Sur les modes d'apprentissage, effectivement, le numérique a modifié, je dirais, à la fois les liens qui existent entre l'enseignant et l'apprenant, en introduisant ce qu'on a appelé l'horizontalité, le fact-checking, la classe inversée, les modifications spatiales de l'espace de l'apprentissage, et au-delà de là, surtout, les modalités d'accès au savoir. Dans ce contexte, effectivement, il faut que les deux participants s'adaptent à la nouvelle donne et surtout au nouveau paysage, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une hiérarchie traditionnelle telle qu'elle était dans le passé, ce qui rend les choses un peu plus compliquées et plus difficiles, surtout du point de vue de l'enseignant qui doit s'adapter et maîtriser parfois des choses qui n'étaient pas du tout dans son domaine de spécialité, tout en préservant la transmission à la fois des savoirs acquis de la tradition, mais aussi en y ajoutant les nouveaux éléments qui sont rendus aujourd'hui importants et essentiels par la culture numérique et ses effets à la fois sur l'apprentissage et la nouvelle donne qui s'est imposée depuis quelques années.